quand on ramène ici des enfants démobilisés, chaque fois l'avion est plein, plein, plein de gosses. Chacun son expression dans le visage qui raconte toute une histoire. Ce sont des visages traumatisés, ce sont des visages pleins de joie, ce sont des visages en angoisse. Donc, très, très impressionnant ces vols-là avec les enfants soldats. Ça m'a confirmé que ce que je fais, c'est la bonne chose. Tous les 12 mois ou 2 ans que j'avais travaillé pour ASF jusqu'à ce moment-là, là je me disais que j'ai bien fait. Vincent Ferron, chargé de programme pour Aviation sans frontières. Je prépare un rapport sur la mission pour ECHO, donc pour notre bailleur de fonds principal sur ce projet. Je prépare un rapport pour faire le point et démontrer que l'argent est bien utilisé et que les ONG profitent de vol de l'avion. L'état. On a pas les boules, hein. ils vont mourir ici. On n'a pas eu l'occasion de venir. Donc vous considérez la situation pas trop sérieuse? Non, c'est pas trop sérieux. C'est sur la plaine là. Normalement, ils devaient passer de l'autre côté. Et Médère m'avait demandé d'aller en Bourassi. Alors vous considérez Bourassi pas bon pour le moment? Pour le moment, non, on ne pense pas que ça soit bon. Pour le moment, non. C'est à cause de ça que ces gens ont fait les longs voyages comme ça pour aller à Kampala. Normalement, ils devaient faire les véhicules ici. Oui, c'est ça que je me demandais, alors, mais qu'est-ce qu'ils font? Ok, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont obligés de passer comme ça. Ça va. Merci, docteur. Ok, merci beaucoup. La patience et nos salutations. Vous avez dit qu'il y a combien des enfants? Deux, trois. Ok, qui sont les trois enfants? Un, Moja, Bill, Tatu. Eric, tu fouilles? Eric. Coulé. Ok. Ça va commander? Oui, vous pouvez descendre, Vera. Oui, ça va. Donc nous sommes à un centre nutritionnel thérapeutique. Nous prenons en charge les cas de malnutrition sévère sous toutes ces deux formes, la cycle, le kwashiorkor et le marasme. Nous organisons pour l'arrivée de ces enfants, nous organisons des dépistages actifs. Par mois, nous admettons autour de 70 à 80 enfants. Il y a des enfants encore mal nourris dans certains coins où il y a des foyers de malnutrition, mais qui ne savent, pour l'une ou l'autre raison, l'ordre socio-politique, qui ne savent pas atteindre le CNP. Alors nous les suivons et nous les aidons plutôt à
à venir au centre pour être pris en charge. Ouais, ce qu'on peut espérer de mieux, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous le plus vite possible dans cette région. Malheureusement, c'est peu probable que ça se passe vite et bien. Et c'est vrai aussi que... On espère aussi pouvoir rester le plus longtemps possible et avoir des financements pour pouvoir rester tant que c'est nécessaire, tant que c'est utile, tant qu'on apporte quelque chose aux populations.